trouve sur For Honor. Donc je suis sur la bêta. J'ai tardé à faire la vidéo, je suis désolé parce que ben, ma play est bug, elle voulait pas m'enregistrer le jeu, vraiment pas. Un coup ça marchait, un coup ça marche pas, donc le jeu est assez basique. Là nous sommes en domination. Donc en fait c'est de la domi comme tous les autres jeux. Sauf que là c'est vraiment pas mal, il y a des joueurs. Donc voilà, donc vous êtes 4 joueurs. Donc un groupe de 4 avec un groupe de soldats, et les soldats c'est des yé. Donc ceux que vous voyez avec les vies en bleu, c'est les soldats qu'il faut tuer. Et les autres, c'est... Et alors désolé, allez, on va niquer ça. Là c'est... Ah j'ai plus d'endurance. Donc on peut parer les attaques. Voilà. Pour attaquer après, sauf que là on va se la remonter. Ah non, on l'a démonté. Par contre, ce qui est bien sur ce jeu, c'est quand on joue à plusieurs, on peut se tuer en fait. On peut réanimer les collègues aussi, le collègue il est mort là-haut, donc on va laisser le réanimer le pote. Il est vraiment super bien fait, donc c'est un jeu développé par Ubisoft. Oh merde. Oh ben... Attendez, c'est un joueur ça. Faut attention. L'affrontement. On sait pas trop qui c'est qui attaque qui. Bon bah écoute. Ah merci poteau. Merci mec. Donc voilà, on capture les zones. Vous voyez la barre en haut à droite de l'écran, bleu et orange. Donc moi je suis l'équipe orange. Une fois qu'on a monté la barre à fond, l'équipe d'en face est à déroute. Donc la déroute c'est quoi? C'est à dire que dès que vous allez les tuer, comme ils sont en déroute, ils ne réapparaissent pas en fait. Voilà, ils peuvent pas être réanimés. Oh là, c'est quoi ce bordel? Ils peuvent pas être réanimés et ils ne peuvent pas réapparaître. Vous avez perdu la zone. Le problème, c'est que s'il en reste un vivant et qu'il capture d'autres zones et qu'il remplit la barre, nous aussi on peut être en déroute. Donc voilà, là vous voyez, c'est des bots, ils sont tout pourris. Ils servent juste à faire des points quoi. On va le défoncer. Voilà. Vous avez aussi des capacités spéciales comme vous pouvez voir en bas à gauche de l'écran. J'ai une petite barre grise et des petits cadenas. A chaque fois que vous allez capturer et tuer des ennemis, vous allez augmenter cette barre. Et en augmentant cette barre, vous pouvez avoir des capacités. Donc ça vous donne des vies. Ou soit vous regroupez un groupe de soldats autour de vous pour vous protéger quand vous attaquez les autres. Ou soit vous pouvez envoyer une espèce de boule en fait. De boule sur la carte quand vous indiquez un point et vous l'envoyez. Et ça fait comme un bombardement si vous préférez dans Call of Duty. Sauf que là c'est... C'est en période chevalière, oh putain. Vous avez capturé la zone. What the fuck? Ah, je me laisserai pas faire. J'incarne une femme, alors j'incarne les chevaliers. Bon là ils m'ont défoncé, j'incarne les chevaliers parce que c'est quelque chose que j'adore. Vous avez plusieurs sortes de chevaliers aussi. Vous avez ceux qui sont plus rapides, vous avez le défenseur, vous avez l'attaquant. Donc moi j'ai un attaquant. Non j'ai... Il est polyvalent on va dire, voilà. Après il y a le défenseur et après il y a l'attaquant. Celui-là il est super rapide. Donc vous voyez la barre orange au milieu, c'est pour qu'on me réanime. Et si j'ai pas envie, j'appuie sur X. Et voilà, je retourne au point de départ. Et je dois tracer pour gagner des points, donc c'est assez important de capturer parce que là vous voyez les merdes. Oh, il est mort comment lui? Vous avez perdu la zone A. Merde, je peux le réanimer? Oui, non, il a abandonné la réanimation. Donc là vous voyez, ils sont tous capturés. Regardez la barre bleue, le changement de situation. Regardez là en haut, tu vois, vous voyez comment ils ont augmenté alors que 2 secondes avant c'était nous qui étions à fond quoi. On était devant eux, c'est pour ça que la déroute elle, ça peut très très vite changer. J'ai fait une partie avant, c'était extrêmement chaud. Oh, lui il est chaud patate, lui à mon avis il va vouloir faire la bagarre lui. Et ouais mon pote, alors là ça va être chaud, je sais pas si on va le gagner. Voilà, ça va être chaud de night là. Ah le bâtard, vieille merde là. On essaie de faire les attaques lourdes au corps à corps. Là par contre j'ai plus d'endurance. L'autre il attaque pas, l'autre pourquoi? Vous avez perdu la zone C. Allez attaque le Yes, on l'a eu ce bâtard. Yes. Oh collègue, je suis avec toi.
Donc vous voyez, vous pouvez vraiment vous tuer. Donc en fait, vous pouvez pas taper les gens comme des bourrins, quoi. Parce que ça sert strictement à rien. Vous pouvez tuer vos alliés. Et ça, c'est ça peut tout niquer, quoi. Donc là, il faut redescendre parce que là, ils vont nous niquer. Ah ouais, ils vont nous niquer. Là, ça me semble pas qu'on capture pas les autres points là. J'espère que les autres ils vont se bouger un peu le cul parce que là, j'étais en guerre avec un type. Ouais, le jeu, il est vraiment très très beau. Franchement, graphiquement, ça me dérange pas trop. C'est assez joli. Enfin, c'est important de tuer les héros adverses. Voilà. Allez, on capture la zone. J'ai plus d'endurance, on va essayer de se mettre un peu de côté. Ah, il y en a un qui a un truc pour amener des soldats autour de... Oh non. Donc là, regardez, lui, il est chaud patate, là. Crève, patate. Crève, salopio, viens là. Pars pas. Reste à la guerre, mec. Assume. Assume, salopard, voilà. C'est bon ça les gars. Ah, il y a des moments où il y a eu des retournements de situation, mais c'est what the fuck quoi. C'est énorme. Alors après, quand vous avez capturé une zone, vous allez voir, une fois qu'elle est à vous, vous remontez votre vie en fait. Voilà, vous récupérez votre vie, sauf s'il y a un ennemi dans la zone, vous ne récupérez plus la vie. Jusqu'à ce que vous le tuyez pour remonter la vie. Vous avez perdu la zone. C'est des bons petits points, donc on va leur exposer la zone à eux. Les petits sont à terre. Oh merde. Vous êtes plusieurs sur moi, bande de salopards. Ouais, c'était plusieurs sur moi. Je me suis fait éclater. Là, vous voyez, c'est vachement serré en haut à gauche. Là, à part, comme elle est très très serrée, c'est très très chaud. Et dès que c'est rempli, c'est la déroute. Hein. Et les deux équipes peuvent la remplir. Et là, après, ça part comme du recherche et destruction. Quoi. C'est une fois que vous avez tué les trois chefs, les quatre chefs, je veux dire. Eh ben vous gagnez. Voilà, on est en déroute. Vous voyez, on a perdu la zone, on est en déroute. Voilà, donc maintenant si je meurs, je peux plus réapparaître. Et ça veut dire qu'on pourrait perdre la partie. Là, le seul truc, ce serait de capturer les points et de faire en sorte à ce qu'ils soient en déroute aussi. Comme ça, si on les tue, ils ne réapparaissent pas. Donc voilà, c'est très important de capturer. On va faire ça, on va capturer les points. Vous avez capturé la zone. Voilà, comme ça, on remonte un peu. On est sur un qu'on remonte. Donc là, vous voyez, j'ai un allié qui est mort sur le côté. Il y a la tête de mort, donc je sais pas si je pourrais le faire réapparaître. Ah, ça va être chaud là. Ah, tu vois, il le sait que je suis en déroute, mais. Vous avez capturé la zone C. Merde, j'ai plus d'endurance. Voilà, elle est morte. Je vais essayer de ranimer le poteau. Allez, ranime-le. Désolé frère, j'étais en pleine guerre, je pouvais pas te ranimer. Là, c'est important de tuer. Ensuite, sur la zone B, il faut tuer obligatoirement tous les bleus que vous voyez. Là, le problème, c'est qu'il va me démonter. On s'en sortira peut-être pas là. Voilà, maintenant tu vois, il faut tuer l'équipe adverse pour. Ah, voilà, il m'a tué. Je me suis fait avoir. Voilà. Donc là, vous voyez, les deux équipes sont en déroute. C'est-à-dire, je peux avoir un plan tactique. On a perdu. Ah, comment je peux revenir? Votre équipe est en déroute. Résister. Voilà, c'est à nous de résister. Donc on va aller capturer la zone C. Ça, on peut continuer comme ça. Donc c'est vachement tactique, hein, il faut pas croire, hein. C'est vachement bourrin, mais c'est très tactique aussi. Quoi. C'est vraiment chaud. Donc là, c'est à nous de les foutre en déroute. Allez, à nous de les dégommer tous, c'est sympa. Et les parties, elles peuvent être assez mitigées. Quoi. Donc là, vous voyez, il reste 3 minutes. Donc si on tient, je sais pas si à égalité, je sais pas comment ça marche. Vous voyez, je peux faire appel à des trucs. Voilà, vous voyez, c'est voilà, j'ai défoncé. Vous voyez, j'ai fait venir comme un bombardement en fait, et ça a complètement tout défoncé. Ce que j'ai coûté ma vie, ouais. Allez, les gars, suivez-moi, on va à la guerre.
Oh là, ils sont deux contre moi. Oh là, je me défends bien. Yes, je l'ai eu. Là, ce qu'on va faire, on va tracer, on va réanimer les poteaux. Comme ça, je suis pas tout seul à la guerre. Ah non, ils vont pas me laisser faire. Yes. Hein, vas-y, tu peux tuer, je m'en fous. Voilà, on a des routes. On a... Je crois que là, par contre, je réapparaîtrai pas. Je crois qu'on va perdre la partie. Je pense qu'on va la perdre là. Là, il y a moyen qu'on la perde. Ça va être chaud. Il n'en reste qu'un contre deux. Ouais, je pense pas qu'on va. Il faudrait. En fait, pour qu'on puisse réapparaître, il faudrait que l'allié puisse récupérer tous les points. Et voilà, on a perdu. Voilà, ils ont gagné. Bon, c'est pas bien grave, je crois que c'est la... J'ai essayé à peu près 10 parties ou 11 parties et j'ai perdu qu'une fois. Voilà. Vous voyez, je suis premier de mon groupe. Enfin, je suis en haut, en tout cas, j'ai fait mon travail. C'est plutôt pas mal. Voilà, donc on va s'arrêter pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce, à me laisser un petit commentaire si vous voulez d'autres vidéos sur For Honor. J'essaierai de faire plus... J'essaierai de vous expliquer un peu mieux la prochaine fois. Je suis vraiment désolé parce que le jeu, franchement, il voulait pas que j'enregistre. Et un coup, je peux, un coup, je peux pas. Par exemple, hier soir, je voulais faire un gameplay. J'ai essayé 6 fois d'en faire un. C'était pas possible. Ça me disait que je pouvais pas. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Lâchez un petit pouce, les amis. Abonnez-vous et partagez si possible. Allez, ciao, ciao, les amis. Et n'oubliez pas,